Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Contrairement à notre dernier road trip en Chartreuse où on était parti à la dernière minute, cette fois-ci nous avons vraiment tout prévu, enfin presque. Nous voilà partis le temps d'un week-end à la découverte d'une région qu'on connaît mal à moins de 2 heures de chez nous. Le Vercors, c'est un endroit qu'on avait visité il y a pas mal d'années, c'est même nos premières vacances ensemble avec Céline. Avant de partir, on avait repéré sur la carte un coin de sud-est qu'on ne connaissait pas mais qui avait l'air super chouette. Allez, on t'en dit pas plus et on te laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. On est arrivé hier soir de nuit sur ce spot qu'on a cherché pendant une demi-heure, mais on regrette pas parce que le coin est vraiment superbe. Il y avait des voitures la nuit, c'était un petit peu bizarre, qui étaient garées un petit peu dans les fourrés. Mais bon, vu qu'on savait que c'était un endroit où il y avait des pêcheurs, et ben, on s'est pas inquiété plus que ça. Et ce matin, surprise en ouvrant les volets, on a vu la vue magnifique sur cet étang. C'est vraiment ça qu'on aime dans la vie en van. C'était vraiment magnifique. Maintenant, c'est direction le Vercors avec ses magnifiques paysages, ses gorges, ses cols, etc. Bref, ça va être vraiment sublime. Allez, c'est parti. On n'avait pas de destination très précise, on s'est juste dit qu'on s'arrêterait en fonction de nos envies. C'est un peu comme ça qu'on imagine la vie en van, découvrir des nouveaux spots et juste profiter. Sur le chemin, on trouve un endroit pour remplir nos bouteilles d'eau près d'un cimetière. C'est souvent un bon plan pour avoir de l'eau disponible et même parfois pour y passer une nuit au calme. En voyant le charme des maisons suspendues avant d'arriver à Pont-Royan, on décide de s'arrêter pour découvrir le village et son architecture médiévale du XVIe siècle si particulière. La commune se situe dans la partie occidentale du massif du Vercors avec un riche patrimoine culturel comme le musée de l'eau qui propose aux visiteurs de goûter à plus de 900 eaux du monde en bouteille. Et c'est même pas une blague. Maintenant on cherche un restaurant, bah oui, parce que les trois derrière moi ils ont voulu faire un restaurant et donc bah j'ai cédé, ouais je sais, je suis un faible, je me dégoûte. C'est quoi? Des ravioles. Après avoir bien mangé, on repart en direction du col de la machine en passant par la superbe route de Combes-Laval. Le spectacle est saisissant, à tel point qu'on décide pour l'occasion de sortir mon stick. C'est notre drone qu'on a appelé comme ça, je ne crois pas t'en avoir déjà parlé. On marchait tranquillement sur le chemin qui mène à la grotte du Brudour quand soudain un bruit de feuilles attire notre attention. Il a voulu pas monter. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Il a l'air de bien. Tu parles, il est terrorisé de peur. Bon, après vérification, il s'agit d'une gerbille. Les enfants voulaient déjà l'adopter, mais il était plus sage de la reposer à l'endroit où nous l'avions trouvée, même si nous n'étions pas sûrs qu'elle retrouve son chemin. Il va te manger le doigt.
Alors là, gros coup de cœur sur le spot que nous avons trouvé sur l'appli Park Fortnite. Nous étions vraiment seuls au monde avec une vue incroyable, bref, c'était le kiff total. On était si bien que le temps semblait s'être figé autour de nous, plus rien ne comptait, on voulait vivre chaque instant au maximum et que ça ne s'arrête jamais. Les enfants s'amusaient comme des fous. Et nous, on profitait de l'instant présent. Comme d'hab, on avait prévu un bon petit repas avant de finir la soirée de la plus belle des manières. On a mis de la lumière à l'intérieur du camping-car alors qu'il faisait noir. Et on avait la fenêtre ouverte de la salle de bain et là maintenant on est en veille papillon de nuit. Je sais pas comment on va s'en débarrasser, il y en a un peu partout dans la salle de bain. Il n'avait décidément pas l'intention de nous quitter. Finalement le lendemain c'est Céline qui les sortira du van un par un. Aujourd'hui c'est randonnée toute la journée. On est parti pour le Mont Aiguille en passant par le col de l'Opé. Donc c'est parti. Ce qu'on vient de voir là c'est le Mont Aiguille. Donc on va tourner tout autour pendant toute la journée. Il y aura différents types de paysages, donc ça va être assez varié. Alors Céline, qu'est-ce que t'en penses du Mont Aiguille ? C'est que le début là. On n'a pas vu grand-chose encore, mais ça a l'air sympa. Nous voilà arrivés au col de l'Opé, alors je vais te montrer le paysage. Le Mont Aiguille. Alors maintenant tu vas me dire, mais pourquoi on sort pas le drone ? Eh bien parce que c'est interdit. Et oui, on est dans le parc régional du Vercors et le drone est strictement interdit. Mais rassure-toi, je t'ai quand même prévu deux spots où j'aurai le droit de faire voler le drone. Je les ai repérés sur Géoportail et je te montrerai ça tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas, Géoportail c'est un site de données géographiques qui te permet d'afficher des cartes du territoire comme par exemple celle de l'IGN, la vue aérienne ou alors celle des restrictions pour le drone. Dans notre cas, la zone rouge indique une utilisation interdite du drone. Comme promis, voici les images du drone qu'on a capturé au nord du Mont Aiguille après la zone d'interdiction. Que dire de plus ? Je te laisse profiter de ce spectacle grandiose. On voulait arriver au col des Pelats, il était presque 13h, on n'avait pas encore mangé et certains estomacs commençaient à se manifester. On peut manger là ? Non, c'est pas encore là. Tu veux un œuf ? Oui, s'il te plaît. Au pire, t'auras un peu mal au ventre. Le Mont Aiguille, altitude 2086 mètres. Et par ce petit trou, on peut voir le sommet du Mont Aiguille. Alors, tu le vois ? Ouais, je vois très très bien.
Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour vivre de belles aventures. Pas besoin de partir longtemps, il suffit juste de sortir autour de chez soi, le temps d'un week-end par exemple, pour se dépayser et parfois faire de superbes découvertes qui resteront gravées dans notre mémoire. Voilà, c'est la fin de la randonnée et c'est aussi la fin de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !